Catherine Wilson Shepherd, mieux connue sous le nom de Kate Shepherd, née Catherine Wilson Malcolm à Liverpool en 1847 ou 1848, et morte à Christchurch le 13 juillet 1934, fut la plus célèbre et la plus influente des suffragettes néo-zélandaises. Ses efforts en faveur du suffrage féminin aboutirent à ce que la Nouvelle-Zélande devienne, en 1893, le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes. Ses convictions s'ancraient dans le socialisme chrétien. Suite au décès de son père en 1862, sa mère emmena Catherine, ainsi qu'une de ses sœurs et ses deux frères, vivre en Nouvelle-Zélande en 1868. La famille s'installa à Christchurch, où vivait déjà l'une des sœurs de Catherine. Le 21 juillet 1871, elle épousa Walter Allen Shepherd, un épicier. Ils eurent un fils, Douglas, le 8 octobre 1880. À la fin des années 1880, elle fut membre fondatrice de la branche néo-zélandaise de la Women's Christian Temperance Union, une ligue de tempérance chrétienne. Outre son opposition à l'alcool, la ligue prenait le droit de vote pour les femmes afin de faciliter la mise en place de réformes législatives et sociales en faveur du bien-être des femmes et des enfants. En 1887, la ligue se subdivisa en départements et Shepherd fut chargée du militantisme pour le suffrage féminin. Elle écrivit notamment des lettres à la presse, ainsi que des pamphlets qu'elle distribua avec les autres participantes au mouvement. En 1891 et en 1892, elle présenta des pétitions au Parlement demandant le droit de vote pour les femmes. En juin 1891, elle inaugura, puis rédigea régulièrement, une page féminine dans The Prohibitionist, journal du mouvement de tempérance. En 1893, portée par une vague de soutien populaire, son département déposa une troisième pétition au Parlement. Celle-ci aboutit à l'adoption de la loi électorale de 1893 qui accorda le droit de vote aux femmes. Le Premier ministre Richard Seddon, qui s'était initialement opposé au mouvement, envoya un télégramme de félicitations à Shepherd, tandis que le gouverneur David Boyle, Lord Glasgow, lui présenta le stylo avec lequel avait été signé le texte de loi. Shepherd se consacra alors à mobiliser les femmes afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales. Elles furent 65% à voter lors des élections législatives de 1893. En 1894, elle retourna en Angleterre avec son mari et son fils et participa au mouvement des suffragettes britanniques, qui avait été revigoré par la victoire néo-zélandaise. Elle revint en Nouvelle-Zélande en 1895 et lança White Ribbon, le journal du Women's Christian Temperance Union, et milita pour que les femmes obtiennent le droit de se présenter aux élections législatives et non pas seulement de voter. Ce droit leur fut accordé en 1919. Son mari mourut en 1915. En 1925, elle épousa William Sidney Lovell Smith, un imprimeur féministe, qui décéda 4 ans plus tard. Kate Shepherd, devenue Kate Lovell Smith, mourut à son tour le 13 juillet 1934 à Christchurch. Le buste de Kate Shepherd apparaît aujourd'hui sur les billets de banque ayant une valeur de 10 dollars néo-zélandais. Fin de l'article.